Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr. Eid marks the end of the holy month of Ramadan. After a month of fasting and spiritual reflection, Eid is a time for community and celebration. And it's a chance to honor the values at the heart of Islam, from service and generosity to peace and compassion. And whether it's volunteering at a local food bank or supporting charities, Muslim Canadians show us the best of those values all throughout the year. Our government will always stand with Canada's Muslim communities and continue to fight against Islamophobia and hatred in all its forms. And together, we'll keep building a better Canada. So on behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a joyful Eid. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, les musulmans au Canada et ailleurs célébreront l'Aïd al-Fitr. L'Aïd marque la fin du mois sacré du Ramadan. Après un mois de jeûne et de réflexion spirituelle, l'Aïd est l'occasion de célébrer et de passer du temps avec les membres de sa communauté. C'est aussi l'occasion de reconnaître les valeurs qui sont au cœur de l'islam, comme l'entraide, la générosité, la paix et la compassion. Les Canadiens musulmans mettent ces valeurs en pratique tout au long de l'année, que ce soit en faisant du bénévolat dans une soupe populaire ou en appuyant des organismes de bienfaisance dans leur quartier. Notre gouvernement sera toujours solidaire des communautés musulmanes du Canada. On va toujours lutter contre l'islamophobie et la haine sous toutes ses formes. Et ensemble, on va continuer de bâtir un Canada meilleur. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons joie et bonheur à tous ceux qui célèbrent l'Aïd. Eid Mubarak.